Kids Entertain Me. Shout out à Jess, number one cook, c'est la best. Les passes se chauffent, les choses se passent. Full battle going down. C'est le troisième battle de la soirée. On est au catacombe pour le Word Up Révélation 2016. Ce battle, une présentation de Reboot. Reboot. Martelin, supportez vos produits locaux, les mecs. Nous, supportez vos produits locaux pour Noël. Vous allez voir ça après Noël, mais supportez-les comme 11 mois d'avance, alright? Supportez pas Noël, guys. Un peu. Ouais, c'est moi qui donne mes enfants. Shout out à mes enfants. Ouais. Vraiment. Chouchou est dans ce bedel, mais. Shout out au malaise. À notre droite, présente-toi. Oh shit! J'ai eu droit à une intro, c'est trop. J'ai déjà trois fois une minute top chrono. Yeah. Quiero beber sangre porque soy un viking peligroso. Oh. Un hombre lobo. Si. Un toro loco. Un guapo pedazo de culo, el hijo del diablo! T'es venu me battre! Je suis venu donner un show! Vous allez finalement l'avoir, votre anti-héros! Qui fait des steppettes, qui fait de la promo, avec des persos, pis des vidéos, c'est Geronimo le rigolo! C'est le loup-garou de Schlag, mais pour te body bag! C'est Jérémy Jacob qui est venu faire son cob! C'est le team sérieux qui devient sérieux! Quand je dis sérieux, vous dites sérieux! Sérieux! Ja! Shout out au San Antonio Boys, à LTC, pis à 4 Hot. Yo, à ma gauche, on laisse se présenter super longtemps. What's up tout le monde, c'est Thierry Baudouin et Thierry B. J'ai pas d'intro préparé, so let's go. OK. Uh-huh. Pile ou face? Face. Queen! Il a gagné l'intro, là, en passant. Okay. T'as gagné le coin toss aussi. Gagné le coin toss? Arrête le battle, là. Comment ça? Thierry B, it's on you. Premier round, une minute. Quand tu veux. Il y a 200 piastres sur la ligne. Quand je dis word up, vous dites word up. Word up! Word up! Alright. Yo! Lui pis Speed, ça devenait sérieux! Il voulait se fiancer, mais il avait pas assez pour une bague de mariée, fait qu'à la place, ils ont pogné le même anneau pour leur nez. Là, je vois que tu l'as enlevé. C'est quoi, vous êtes divorcés? Je te comprends, Speed, c'est anyway. Tes coups, tes c'est désagréable! Ton style est exécrable. Baiser une pute avec des crabs est plus plaisant qu'un de tes tracks. Oh. Oh. Tu manques d'inspiration, ton écriture fait de l'asthme. T'es comme vomir dans un cul, t'es dégueulasse. Come on! Yes! En battle, je domine les mains comme l'Empire britannique. Mon flow est supérieur au tien comme un asiatique qui te passe au travers du corps, ça c'est un asiatique, boy. Je te souhaite de te faire raid par un nain sidatique. Shout out MC Arabique. T'as dit à un dos des auditions qu'il fallait qu'il quitte pas, c'était sa deuxième audition. By the way, j'étais là. C'était quand même bon. Ta deuxième audition, time! Okay. Round 1, Geronimo, it's on you, let's fucking go! Ouais, moi aussi. Sur Thierry Baudouin, il n'y a rien à dire. De toutes tes armes, c'est celle-là la pire. Thierry Baudouin, t'es rien. Ton nom, il est dole. Ton style, il est gris.
ta blonde est vraiment très jolie. Mais elle est là pour te... Elle est là pour nous rappeler à quel point on t'a eu. On te regarde, on le regarde, on se dit « Qu'est-ce qu'elle trouve, hostie? » Tu veux pas imaginer Thierry dans un lit avec sa barbiche qui touche à des parties? Puis quand il parle, c'est pas un érudit. Si c'était une étoile, c'est pas lui qui brillerait le plus. Puis quand il allait à l'école, c'était dans un petit autobus. J'y souhaite pas le typhus, mais rien de bon non plus. Peut-être juste qu'il pogne des puces, puis du scorbut, puis le flux, puis la berlue, avec de l'urine dans ton jus, puis dans ta piste du pu. Que tu bois du lait passé dû, que tu focuses sur ta job, puis que tu battles pu. Tout le monde se demande pourquoi on voit ta face. Je vais pas leur expliquer pourquoi t'as pas ta place. Time. Okay. On passe au round 2. Thierry, it's on you. Round 2. Si tu y demandes, Geronimo, c'est un athlète, un auteur, un bûcheron, c'est tout ça simultanément, lui. Sans problème. Seule chose qui est pas, c'est lui-même. Jérémy Jacob Louveau Landreville, est-ce que ton nom il sonne débile? Depuis que t'es jeune, t'es imbécile. Tu mets le land dans Landreville. Ton nom c'est Louveau, mais t'as pas de boulot. Ta mère c'est une grue, ton père work chez Loupro, man. Sur 100 piastres, c'était beaucoup de cob pour le pauvre Jacob. Pour moi, c'est du l'hégémonie. Anyway, je suis dominant, ça c'est une hégémonie. Ok, t'as du charisme. I don't care, Jérémy. I don't care, le petit Jérémy, ouais. Ton personnage est pas legit. Je ferais plus confiance à Enka de surveiller mes frites. Là, t'as des textes poétiques, tu cherches pas la polémique. Moi, je parie au litige des méthodes poétiques. Je m'en viens détruire ton rap de paléolithique. Vulgarité gratuite, je te souhaite l'hépatite. J'ai battu longue jambe, là, je viens de kill l'hépatite. Oh! Ta mère! J'y vole son dos while I rubber back. La bitch, elle mérite pas mon sperme, je veux mes rubber back. Tu pensais que je serais un cool guy, mais c'est un rugged match. La chienne court avec des graines dans la gueule. Ça, c'est un running gag. Time! Deuxième round, Geronimo. We got a battle. Baudouin, ce qu'il fait, c'est bien. Ce qui fait qu'il dérange, rien. La seule chose qui nous surprend, c'est sa blonde. Comme quoi même une colombe peut s'accoupler à une coquerelle. Même une femme brillante et belle peut tomber en bas de l'échelle. C'est un message d'espoir pour tous les puceaux et pucelles. Même si t'as l'air d'un chat, d'un vieux chat qui est tombé dans l'eau, tu peux tomber sur le gros lot. Et ça, mes petits louveteaux, ces histoires-là, je trouve ça beau. Esmeralda Quasimodo. La belle et le bête, nouveau duo. La belle et le clochard, c'est ce que tu vaux. Mais ce qui est différent des princesses de Disney, c'est qu'elle n'a pas besoin de lui pour s'émanciper. Alors peut-être un jour, entre deux jokes de mère, il se pourrait qu'elle parte avec ses affaires. Aller rejoindre un adversaire à l'allure fière, à la verve d'argent, à la verge de fer pour faire des affaires. Mais non! Jamais j'oserais être aussi vulgaire! Vous le savez, c'est pas mon genre, tabarnak de six mois! De la langue française, tu te dis l'expert, j'aimerais bien ça l'entendre, j'aimerais bien ça le voir! C'est tout. T-Line! Alright. Thierry B. Round 2. Ton nom de scène est fucking raciste! C'est pas parce que tu cries pis que t'es alcoolique que t'as le droit de t'identifier aux Premières Nations d'Amérique. T'es un homme blanc typique! T'aimes un style, tu le piques! L'appropriation culturelle, c'est ton identité artistique! T'es un comédien, un athlète, un auteur, un bûcheron, un pirate, un assassin, un schizophrène, un modèle, un loup-garou, un kamikaze, pis en plus, tu battles! Ça te tentait pas d'en laisser aux autres, esti d'assaut! Sauf comme ça, t'es comédien, toi! Dans quelle télésérie? T'es un auteur que personne lit. Il se dit athlète parce qu'il se masturbe en curling, il appelle ça du crossfit. C'est un modèle, ouais, quand il est à côté de Speed, ça. Yo, t'es un pirate qui cale, t'es suicidaire, pas kamikaze, t'es pas bûcheron ni assassin, t'es définitivement schizophrène, bitch. Garde à vous, devant moi, tu t'amadou, j'enlève le masque de loup-garou, fin de l'épisode de Scooby-Doo. Time! Oh! On
debout au troisième round. C'est le dernier verse. Geronimo, croise la blonde à Thierry. Toutes des minutes perfectes. Oui, mais... Non, non, I'm just saying. C'est à ton tour. Let's fucking go. Je suis un comédien, un athlète, un rappeur, un auteur, un pirate, un boucheron, un loup-garou, un assassin, un schizophrène, un kamikaze, un modèle de terroriste, un chaman, un ébéniste, un doorman, l'homme le plus classe du monde, un sweet thug, la performance de la soirée! Yeah. Mais d'abord et avant tout, je suis tanné! Je suis tanné des gun bars, des gars qui ont pas de gun! Je suis tanné des shots à gueule bars, des gars qui ont peur que j'ai cogne! Je suis tanné des calls de mort pis de sœur, des gars qui sont des achaleurs de petites connes! J'en ai des Geronimo, nanana, présence. J'ai pas une présence particulière. Je suis ici pour relever la barrière. Ce que je fais, ça devrait être la norme. Parce que c'est ça, spit comme un homme. Parlant de ça, ma gang de gars qui ont donc peur d'avoir la fifi. Salut. Ma gang de gars qui ont donc peur d'avoir la fifi. Ben c'est moi le plus mort ici. Pis j'suis aux femmes, pis aux hommes aussi! Y'a quoi, asti? Y'a quoi? 10 filles dans place, asti! Pis pas une qui se pipe! Ça aurait été le fun! Ça aurait fait changement des jokes de graines, une joke de clit! Thierry, si un jour t'es quelque chose, peut-être tu mériteras que je t'adresse ma prose! On s'en va voir les hues! C'est de l'amour! Hey yo, what's up? C'est MIG. On est au World Up Révélation 2016. Deuxième battle que je juge ce soir entre Thierry Beaudoin et Geronimo. C'est vraiment fucking dur à départager, man. C'était vraiment tête, les deux. Ils ont bien fait ça. Ça se ressemblait. C'est dur à juger. Mais je vais me fier vraiment au deuxième verse. Thierry, il a tout tué. Grosse réaction de la foule. Fait que moi, je donnerais ça, mettons, 2-1 pour Thierry Beaudoin. Mais Thierry Beaudoin gagne ça. Je pense qu'il mérite vraiment sa victoire. Fait que Thierry Beaudoin, 2-1. What's up, Free 1523, 1523.com, Ninjas Clothing. On est au Word Up Révélation? Yeah. Révélation, on vient de voir un battle. Geronimo versus Thierry Beaudoin. Très tight, très dope. Des deux bars, les gars sont super à l'aise, super confiants. Des grosses bars, des deux bars. Donc c'est un battle assez égal, fait que c'est un battle qui est le fun à regarder, fun à écouter. Personnellement, j'ai été avec Geronimo, malgré son coming out, mais très dope battle, so big up Geronimo, gros battle. What's up, c'est Franco Bucci, on vient de checker le battle de Thierry Beaudoin versus Geronimo. Personnellement, j'ai voté pour Thierry Beaudoin, mais ça a été une décision vraiment dure à prendre. Geronimo, son shit était dope et tout, mais peut-être que ça manquait un petit peu de punch. Je trouvais ça courageux ce qu'il a fait et tout, mais c'était puissant et tout, sauf que pendant tout un round, c'était peut-être un petit peu trop. Il aurait peut-être fallu qu'il rajoute un petit peu de quoi sur son troisième round, puis je lui aurais donné. Mais malheureusement, j'ai donné à Thierry Beaudoin. Donc, Geronimo a pas à partir la tête basse parce qu'il a vraiment fait un bon battle. Puis à date, c'est peut-être un des meilleurs battles qu'on a vu de la soirée. Donc, Thierry Beaudoin, let's go. What's up? Ici Marie Gold du groupe Bad Nylon. On va te dire fuck les haters encore, fait que fuck les haters. Je viens de regarder le battle de Geronimo et Thierry B. Alors, Geronimo, incroyable présence. Le gars parle même espagnol, vraiment impressionnant. Ou italien, bref. Puis, belle présence. Ça ajoute beaucoup de dynamisme au jeu, c'est clair. Mais peut-être des punchlines moins vite, du moins, que ceux de son adversaire, qui était Thierry B, qui voulait vraiment qu'il les entende. Fait qu'il parlait toujours à 2 cm de son oreille. Donc, il voulait vraiment être sûr que le gars, il comprenait ce qu'il disait. Puis, qu'il avait des belles lines et tout. Bon, fourrage de mer, fourrage de whatever, les gars, il va falloir qu'on en parle. Mais à part de ça, c'est cool. Mais ouais, de la part des deux, vraiment énergique battle. Très tête, dans le sens que je vais quand même donner mon vote à Thierry B pour... Ses rimes, sa poésie peut-être un peu plus recherchée pour cette soirée-là, mais à part de ça, c'était une belle soirée.
Yo, what's up? C'est Quiet du Forum Word Up. Juge Geronimo contre Thierry Beaudoin. C'est un très, très gros battle. Les deux étaient très là, très live. Je vais vous expliquer comment j'ai eu ça. Thierry, il y avait beaucoup de punch qui rejoignait beaucoup le public. Mais Geronimo a fait quelque chose que le monde n'a pas vraiment catché. Il a fait entièrement un battle sans vraiment faire de bars sur Thierry. Il a parlé vraiment deux rounds sur sa blonde. Puis le troisième, il a fait vraiment comme... Il a expliqué un peu la scène, comment qu'il la voyait, puis comment qu'il se voyait par rapport à ça. Puis tout son troisième round, il fait dos un peu à Thierry, comme, tu sais, je parle pas de toi, je fais un battle, mais je parle pas de toi. En tout cas, j'ai trouvé ça concept un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai donné le battle à Geronimo. Donc, je juge pas round par round, mais global, je dirais que Geronimo a gagné ce battle-là. Donc, c'est ça. Yo! On est de retour avec la décision des juges. Un autre battle serré. Le 200$, c'est 3-2. Le gagnant est Thierry B. Yeah!